Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Il est la première cause de mortalité dans le monde après les guerres et les accidents. Le cancer tue, mais peut être guéri. Aujourd'hui est célébrée justement la journée mondiale de lutte contre le cancer. À suivre dans la grande édition le témoignage d'un malade du cancer. À suivre également dans la grande édition une réunion qui a eu lieu au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une rencontre qui a porté sur les questions des fluidités routières et des accidents, une réunion interministérielle dont toute la substance vous sera proposée dans la grande édition. Dans l'actualité judiciaire, la libération de ces 10 policiers accusés de non-respect des consignes libérées, ils avaient été inculpés après la crise post-électorale. Reportage. À l'issue de la deuxième audience comptant pour ce procès qui s'est déroulé en deux audiences, un contrôleur général de police, sept commissaires principaux de police, deux capitaines-majors de police et un sergent de police qui comparaissaient devant le tribunal militaire d'Abidjan pour des faits de violation de consignes et d'atteinte à la sûreté de l'État ont été acquittés pour délits non constitués. Ainsi, après être chacun passé à la barre avec des témoignages à l'appui, ce fut la réquisition du parquet militaire suivie de la plaidoirie des avocats de la défense. Pour le colonel Kakou Banti, avocat de la défense, la justice a dit le droit. C'est la preuve qu'un militaire, un policier qui se comporte conformément aux règles pourra toujours trouver l'État à côté de lui. Et ici, ce tribunal vient de démontrer qu'on ne punit pas pour punir, on a jugé selon la loi. Ces 10 officiers de police ont regagné leurs familles respectives et retourneront à leur lieu de travail après 3 années de détention. La direction de l'enseignement supérieur, structure du ministère de l'enseignement supérieur, a organisé aujourd'hui une conférence de presse face aux journalistes. La direction a annoncé le démarrage du concours direct d'entrée à l'école normale supérieure ENS, session 2014, à plus de 3 800 postes sont à pourvoir. On termine à l'étranger avec cette grande première. Pascal Simbikanga est le premier Rwandais jugé en France pour génocide. Souvenez-vous, le génocide des Tutsis au Rwanda avait fait plusieurs victimes. Ce militaire, âgé de 54 ans, a été jugé aujourd'hui en France pour donc répondre de tous ses actes et de sa responsabilité dans ce conflit rwandais. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Bonnet Rouge, à chaque instant, le vrai lait hollandais. Maintenant disponible en sachet.